prions que cette même grâce qui est ici, eh bien, que le Seigneur puisse vous visiter là où vous êtes. Alors soyez les bienvenus. Est-ce que nous pouvons peut-être nous commencer par nous saluer, n'est-ce pas? C'est l'habitude que nous avons dans notre maison. Alors pendant que nous allons commencer la louange, voilà, vous saluez deux, trois personnes et souhaitez-leur la bienvenue au nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus. Amen. Thank you.
qu'il y a d'abondante joie dans sa présence. Amen. Amen. Moi, personnellement, j'ai reçu la joie. Amen. Et j'ai même envie qu'on continue. Mais on va continuer. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie que tu répands en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette joie que tu déposes dans les cœurs qui sont attristés, Seigneur. Merci pour la plénitude de ton esprit que tu envoies en ce lieu, Seigneur. L'esprit qui change les vies, l'onction qui brise le joug. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de continuer à couler, Seigneur, que ton onction continue à couler. C'est la même onction, tu as répandu la joie, mais nous voulons, Seigneur, encore aller dans une autre dimension avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter à la joie, mais nous voulons aller plus loin, Seigneur. Nous voulons rencontrer ton amour. Nous voulons rencontrer ta paix, Seigneur. Nous voulons que ta présence puisse nous transformer encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu vas faire des grandes choses encore en ce lieu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que tes torrents de vie coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne contrôler ma vie. Pour chaque situation qui accable mon âme, mes peines et mes fardeaux, je te les confie. Que tes torrents,
Oh, Jésus.
partir du verset 7, nous lisons ceci. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Soit béni. Merci à tous d'être dans la maison de Dieu cet après-midi. Vous avez bien fait de venir. Parce que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour chacun d'entre nous. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Voilà, donc, nous avons eu beaucoup de grâce depuis vendredi. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, de recevoir pasteur Ginette. Et puis, depuis hier, son mari, Eric et leur fils, le dernier de la maison, Daniel, depuis hier. Et ce matin, nous avons été richement bénis. Et je sais que nous serons bénis encore cet après-midi. Amen. C'est pourquoi nous allons rester debout. Nous allons déclarer ce que Dieu nous a promis pendant cette année 2017. Et nous allons entendre ce que Dieu a préparé comme message pour le peuple de Dieu. Alléluia. J'espère que c'est réglé en haut là-bas. C'est réglé maintenant? Oui? Ok. Donc, nous confessons ensemble 2017. C'est mon année. Voilà. Alléluia. Ok. Donc, nous reprenons. 2017, c'est mon année. Dis-le, dis-le à toi. 2017, c'est mon année. Dis à notre voisin, 2017, c'est mon année. Alléluia. C'est mon année à moi. Amen. C'est mon année. Allez, nous continuons. Une année d'expansion dans tous les domaines de ma vie. En Christ, j'ai été rendu capable
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Mon héritage ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il m'est réservé. Tout lieu, tout domaine sur lequel j'ai marché les années passées, je le prends en possession en 2017. Je m'y établis, j'y prospère et je m'y étends. J'élargis l'espace de ma tente. Je déploie les couvertures de ma demeure. Je ne retiens pas. J'allonge mes cordages et j'affermis mes pieux. Car je me tendrai à droite et à gauche. Ma prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je discrète et je déclare qu'en 2017, je me rends maître de nations plus grandes et plus puissantes que moi. Je m'empare de villes imposantes et fortifiées. Je dépossède des gens puissants, aux tailles. Car le Seigneur, mon Dieu, marchera lui-même devant moi comme un feu qui détruit tout. Il les écrasera, les obligera à céder devant moi. Je décrète et je déclare qu'en 2017, les marques de tristesse sont remplacées par des marques de joie. Les vêtements de deuil sont remplacés par des vêtements de louange. Les nuits douloureuses sont remplacées par une huile parfumée. Car je leur ai levé les anciennes ruines et je rafraîchirai les maisons jadis abattues. Je restaurerai les villes jadis dévastées. Je décrète et je déclare qu'en 2017, des étrangers seront là pour veiller sur le troupeau. Les gens venus d'ailleurs labourant et cultiveront pour moi. Je mangerai les richesses des nations. Je mangerai les meilleures productions du pays. Je mangerai les anciennes récoltes et je sortirai les vieilles pour faire place aux nouvelles. Merci Seigneur pour 2017. Ma vie ne connaîtra plus jamais de limitations. Ma santé ne sera plus jamais malmenée par les maladies. Mes finances ne seront plus jamais limitées par les contraintes et autres restrictions. Mes relations ne seront plus jamais hasardeuses. Je suis béni, je suis heureux et je prospère à tous égards. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et tu vas prospérer. Amen. Et tu vas prospérer. Alors soyons bénis ensemble. Au nom de Jésus. Je vous invite à prendre place. Et voilà, nous allons demander au jeune homme, le dernier de la famille Verwilgen, de se lever pour que vous puissiez l'accueillir. Voilà. Hein, c'est Daniel. Voilà. Et sa grande sœur Déborah, le docteur de la maison. Hein? Ce sont les deux qui ne sont pas encore mariés. Sinon, les quatre autres sont mariés, chacun dans sa maison et vivant de la grâce de Dieu. Amen. Et vous allez avoir droit à une jeune mamie. La jeune comme elle est là, elle est déjà grand-mère de 12 petits-enfants. Amen. 12. Alléluia. Ah, c'est formidable. Alors voilà, je vais inviter le pasteur Eric, s'il veut venir saluer l'église. Avant de passer la parole à Maman Ginette qui va nous annoncer les oracles de Dieu. Merci beaucoup. Bienvenue, mon cher ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui a payé le prix à la croix du Calvaire, celui qui nous a transféré des ténèbres au royaume de lumière. Celui qui a ouvert le ciel et qui a dit qu'en esprit nous sommes assis dans les lieux célestes. Alléluia! Donc en fait nous sommes là pour régner avec lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous avez les salutations évidemment de notre église la Nouvelle Jérusalem de Fleurus et puis l'autre église fille de Mons, n'est-ce pas? Et puis tous les autres commencements, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours un commencement quelque part. Alors voilà, sans tarder, je vous laisse la place. Je vais laisser la place à ma chère et tendre épouse, hein. Ma merveilleuse épouse. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que son règne vienne avec puissance. Amen, amen.
Amen. Lui, il se croit chez lui comme ça. Hein? Il me laisse la parole. Voilà, gars. C'est bon. Amen. 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 Je vous salue tous. Vous êtes tous beaux. Vous êtes magnifiques, là. Vous brillez. C'est super. Amen. Alors, on se sent bien ici parce que vraiment, ah, je sens que mon Père est ici. Amen. Là où mon Père est, moi, je suis bien. Amen. Ah oui, sa présence est vraiment palpable. Je ne sais pas si vous ne le sentez pas, mais vraiment, moi, je le ressens, je le vis. Sa présence est palpable, on peut toucher. C'est extraordinaire. Et c'est un endroit où les anges mouvent parce qu'ils aiment ça. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a fait du bien et nous fera encore du bien. Depuis vendredi, on passe des moments extraordinaires dans sa présence et on va continuer comme on a commencé, toujours dans sa présence, mais de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Alors, j'aime toujours avoir un petit moment de prière. Donc, je rappelle encore, ma chérie, toute l'équipe, vous venez, s'il vous plaît. On fait encore un petit moment. S'il vous plaît, on va encore. Parce que, en fait, moi, je suis venue prier avec vous. C'était ça, la première vraiment motivation, c'était prier avec vous, hein, qu'on puisse prier ensemble. Amen. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est super. Alors, je voudrais simplement que chacun de nous puisse dire, Père, cette fois-ci, c'est moi, juste moi. Toi et le Père. Amen. Toi et le Père. C'est qu'il a pour toi. Qu'il les déverse. Maintenant, c'est toi, c'est vis-à-vis toi et ton papa. Ce matin, on a parlé de notre papa et de nous, les fils, la manifestation, la révélation des fils que le monde attend. Je suis un mystère, j'étais en train de penser tantôt, je suis un mystère parce que, en fait, tous les jours, je suis rentré dans un processus glorieux pour devenir la stature parfaite de Christ, pour devenir l'image, vraiment devenir le modèle parfait du Fils, le modèle parfait que Dieu attend de moi. Donc je suis un mystère extraordinaire à découvrir chaque jour. C'est pour cela que la Bible parle de gloire en gloire. Chaque jour que tu me découvres, tu découvriras ces mystères de gloire en gloire. Hier j'étais là-bas, demain je suis là-bas. Hier j'étais là, demain je suis là-bas. De gloire en gloire, c'est un mystère extraordinaire que tu es et que je suis. Amen. On est rentré dans un processus extraordinaire et glorieux. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions dire, Père, cette fois-ci c'est moi, ton fils. Amen. Ta fille, je viens toquer. Cette fois-ci, c'est face à face. Papa et sa fille, papa et son fils. J'ouvre mon cœur. Viens me toucher. Viens donner ce qui est pour moi. En réserve rien que pour moi. Tu as quelque chose pour moi. Moi, je suis maman de 6 enfants, mais j'ai quelque chose pour chacun des enfants différemment de l'un de l'autre. Mais tout pour bénir. Alléluia. Oh, quand on rencontre mon papa, croyez-moi, tu ne peux pas retourner sans bénédiction. Alors, allons-y près de papa. Approche-toi de papa. Dis-lui, cette fois-ci, c'est moi. Jésus. Oh, cette fois-ci, c'est moi, oui, c'est moi, juste moi. Oh oui, papa, juste moi. Oh oui, qui me tient devant toi. Oh, c'est toi, tiens-toi devant papa. Juste toi,
Oh,
commencer. Aujourd'hui, papa est en train de te chercher. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Pourquoi tu t'es arrêté en chemin? Dieu a mis une profondeur en toi. Il faut aller plus loin avec lui. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça au milieu. Tu as en toi une richesse que tu dois répandre, une richesse spirituelle extraordinaire. Alors il est temps que tu aies dans la profondeur des choses. Tu ne peux pas t'arrêter là, parce qu'aujourd'hui le Père demande: où es-tu? Où es-tu? Aujourd'hui c'est toi qui dois lui dire: Père, je suis là. Père, je reprends. Père, nous recommençons à zéro. Père, là où je me suis arrêté, je reprends avec toi. Père, fais-les à cœur. Toutes choses. Hier, c'était hier. Ce qui n'allait pas hier, il y a un plan devant toi. Tu as été beaucoup combattu, vécu beaucoup d'injustices, accusé faussement, injustement, des choses que tu n'as même pas fait. Mais aujourd'hui, je viens juste te dire, le Père est au contrôle. Fais-lui confiance. Le Père est au contrôle. Toute chose va être remise en place. Laisse les angoisses. Laisse toutes ces angoisses de côté. Fais-lui confiance. Il est au contrôle. Alléluia. Père, fais-le encore. Père, fais-le encore. Père, fais-le encore. Parle à ton papa. Papa, cette fois-ci, c'est moi. Juste moi, juste moi. Tu me connais, papa. Tu as vu la profondeur de mon cœur. Aujourd'hui, tu viens me parler. Oh Père, merci de ce que tu es au contrôle. Je refuse de m'angoisser. Je refuse. Et je te fais confiance. Contrôle toutes choses, papa. Autour de toi tombe. Il faut que tu passes outre. Comme vous avez déclaré, cette année, ça doit être ton année. Saisis 2017 pour toi. Il faut que cette année 2017, tu y arrives. Il faut que tu t'en sors. Si cette année 2017, tu rates encore, comme les autres années, ça ne serait pas normal. Ce n'est pas possible que tu rates comme ça tes années. Cette année, Dieu te le donne. Il faut que les murs des limitations tombent. Il faut que tu passes les barrières. Il faut que tu saisisses ton élévation. Il faut que tu avances. Mais cela dépend de toi, de ta relation, de ton sérieux avec les choses de Dieu. On se comprend? Ok.
sur ce qu'on prend simplement du Père. Cette année, c'est à moi. C'est 2017, c'est à moi. Je veux que les murs des limitations se renversent. Et je ne veux plus rester dans les limites. Je veux foncer avec toi. Je veux te servir. Je vais être sérieuse avec les choses de Dieu. Cette année, je vais te saisir tout ce qui est à moi. Amen. Oh oui, Seigneur. Encore. Lève tes mains là où tu es, continuons. Spécialement pour lesquelles tu as prié depuis des années. Je vois aujourd'hui des ouvertures devant toi. Les choses se mettent en place maintenant. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour toi. Le temps est arrivé. Chaque chose ouvrira une porte et une porte. Saisis. Ton temps est là maintenant. Amen. Prends ces portes. C'est pour toi. Amen. Encore. Dans la parole, excusez-moi, j'aurais pu continuer comme ça, mais il faut quand même qu'on partage la parole aussi. Amen. Oh Seigneur, on a envie de continuer. Bon, on va voir, on va parler de la parole. Sûrement, le Seigneur nous laissera encore un petit peu de temps et on prendra encore un temps avec papa. Ça fait du bien d'être devant lui. Amen. Tels que nous sommes, comme ça. On vient devant lui. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, on va
Merci beaucoup. Mathieu. Chapitre 4. Versets 1 à 11. Matthieu 4, s'il vous plaît. Alors, verset 1 jusqu'à 11. Alors, Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par les diables. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Oh. Et le tentateur s'approchant de lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui répondant, dit-il, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur la fête des temples et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan. Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges s'approchèrent pour les servir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler de l'adoration exclusive. Vous savez, ce matin, on a parlé des fils. Ce que les diables n'aiment pas, c'est quand tu es conscient d'être le fils. Vous savez, Jésus, on l'a arrêté, on l'a accusé parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu. On ne l'a pas accusé parce qu'il a dit qu'il était prophète. On ne l'a pas accusé parce qu'il a dit qu'il était prédicateur. On ne l'a pas accusé pour ça. On l'a accusé parce qu'il a dit qu'il était le fils. Ce qui fait peur au diable, c'est le fils. Ce sont les fils. Ça fait trembler l'enfer. Parce que l'ennemi sait que la manifestation des fils, c'est quelque chose de dangereux pour le royaume. Et lorsque vous êtes conscient d'être fils, ah, ça, c'est quelque chose qui le fait trembler. Il vient, il commence à tenter les fils de Dieu. Il va commencer à lui dire, si vraiment tu es le fils, est-ce que c'est ton problème si je suis ou je ne suis pas? Si vraiment tu es le fils, dis d'abord, tu as faim, non? Au fait, quand on dit que Jésus a eu faim, on ne dit pas que Jésus a eu soif. Donc, il a bu hein, les 40 jours-là. Les gens-là qui disent qu'il faut jeûner les 40 jours-là sans boire, là. Hein? Moi, je vois ici, on dit qu'il avait seulement faim. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, parce que s'il avait soif, on allait dire qu'il a eu faim et soif, n'est-ce pas, non? Donc, il buvait de l'eau. Bon, ça, c'était une parenthèse. Quand vous faites les jeûnes des 40 jours-là, buvez l'eau. Hein? OK. Il vient, il commence, mais il faut ordonner que les pierres deviennent si vraiment tu es le fils. Il sait que le fils peut ordonner beaucoup de choses. C'est ce qu'on disait ce matin. Les fils, tu peux ordonner beaucoup de choses. Même les diables, c'est à toi qui l'ignore. Et il vient, il continue. Jésus, bon, alors, on continue. Il vient maintenant, il commence, vraiment si tu es le fils, voilà. Là, en haut là, si tu tombes, les anges viendront te porter. Vous voyez, même les diables savent qu'il y a des anges spécialement pour les fils. Pour ceux qui sont entrés dans ce processus
glorieux, en devenir semblable au Fils parfait, au modèle parfait. Même les diables savent qu'il y a des anges pour te porter. Il n'y a que toi qui ignores. Tu as peur, tu vis avec les angoisses, tu es malheureux. Mais pourquoi? Ok, c'est pas ça le sujet. Ça, c'était le matin, il fallait être là le matin. Bon, on continue. Maintenant, il dit à Jésus, il parle de, oui, les anges vont te porter si tu tombes là. Bon, jusque-là, Jésus dit, bon, on peut discuter, on peut parler encore. Mais il arrive à un point où il ne faut pas toucher. Ces points-là, on ne touche pas. On ne rigole pas avec ça. Nous, les fils, on ne permettra jamais que quelqu'un rigole avec l'adoration. C'est le domaine où il ne faut pas jouer avec moi. Critique les cultes si tu veux, comment c'était, si ce n'était pas bien. La louange, si c'était, comment tu dis? On n'a pas bien prêché, fais ce que tu veux. Mais quand tu rentres dans le domaine de l'adoration, là tu m'as cherché. Jusque là, tu viens, tu n'es pas un bon pasteur, c'est pas grave, dis-le. Tu n'es pas gentil, maman, dis-le. Dis ce que tu veux, si tu veux le dire. Mais le domaine de l'adoration, ne viens pas me chercher. Et le diable, au fait, c'est là où il voulait arriver. C'est le domaine de l'adoration. Parce que son problème, depuis le jardin d'Éden, c'est de voler l'adoration. Son combat, c'est qu'il soit adoré. Que surtout, Dieu ne doit pas être adoré. Surtout. Il faut créer toutes sortes d'idoles, diversions des idoles. On fait même des émissions, des voices. On fait toutes sortes de émissions pour faire sortir des stars. Comme ça, on oublie. On ne doit même pas penser à l'adoration de seul et de l'unique. Il a tout fait. Tout fait. Amener les gens à l'astrologie. L'astrologie, l'astro. Le fait d'adorer les astres. L'astrologie. Pour que les gens adorent le soleil. Et il s'est arrangé pour que chaque jour de la semaine, tu veux ou tu ne veux pas, d'une manière ou d'une autre, tu vas adorer un astre quelque part. Parce que chaque jour de la semaine, il s'est arrangé, se sont arrangés pour que ça soit un jour dédié à une divinité des airs. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Aujourd'hui, quoi? Sunday. C'est le dieu qui? Soleil, non? Demain, c'est quoi? Lunes, c'est qui? La lune, non? Et mardi, c'est qui? Et mercredi, c'est qui? Et jeudi? Et vendredi? Si tout venisse mauvaise comme ça, là. C'est pour ça que quand ton mari, le vendredi, là, commence à dire, oh, je dois sortir, je dois sortir. Reste à la maison. Bon, je ne vais pas continuer. Juste pour vous dire, il s'est arrangé pour que le Tout-Puissant, notre Dieu, le Créateur, ne soit pas adoré. Pour que même les jours de la semaine, chaque jour, soit dédié à une divinité dans les airs. Et n'en parlons même pas de l'égolâtrie. L'égolâtrie. Ça, l'être humain aime. Quand c'est lui. Et n'en parlons pas de l'idolâtrie sous toutes ses formes pour retirer l'adoration à notre Dieu. Mais il y a un problème, c'est que si nous ne nous rendons pas l'adoration à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens te dire ce matin que les gens discutent avec toi du ministère, de l'église, qu'ils rouspètent. De comment ça s'est passé, qui discute de la famille, qui discute de ceci, qui discute que tu n'es pas un bon mari, que tu n'es pas une bonne femme, qui discute de tout ce que vous voulez, mais ne les laissez jamais le domaine de l'adoration. Jésus de toute façon savait que tout
ce qui est là, sur la terre, tout est à lui. Il n'avait pas besoin que le diable puisse lui dire, si tu sautes là-bas, tu auras ça. Donc, tu vois, je voudrais donc qu'on parle du domaine de l'adoration. Ça doit être pour nous un domaine où on ne doit pas toucher. Parce que Jésus a dit que Dieu cherche pas des adorateurs, des vrais. Les adorateurs, il y en a plein. Il y en a plein. Ceux qui adorent Vénus, ceux qui adorent n'importe quoi, ceux qui s'adorent, il y en a. Mais ils cherchent de vrais adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs. Vous savez, quelquefois, quand on me dit, oui, mais pour l'instant, les temps deviennent de plus en plus durs, je dis, peut-être qu'à force que ça deviendra dur, l'être humain va commencer à chercher qui il doit adorer. Parce que toutes sortes de choses que nous adorons ne font que nous créer toutes sortes de problèmes. Parce que l'adoration est attribuée à Dieu seul, le seul créateur. Adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême. À lui seul, toute valeur. La valeur suprême. Car il est le seul digne de recevoir l'adoration de toute la création. De toute la création. OK? Que vraiment ton cœur ressente ses besoins d'exprimer ce qu'est Dieu pour toi. Ses besoins de s'approcher avec un sentiment de profonde gratitude, de profonde admiration devant ton Père pour pouvoir l'adorer. S'il y a quelqu'un que je peux dire dans ce monde que j'admire, je dirais aujourd'hui, c'est mon mari. Je l'admire beaucoup. Je l'appelle un saint homme. Vous savez, lui, c'est monsieur, c'est comme tu veux. Tu vas manger quoi aujourd'hui? C'est comme tu veux. On va faire quoi? C'est comme tu veux. C'est un saint homme. Mais jamais je vais l'adorer. Jamais je vais l'adorer. Même si lui s'élève aujourd'hui pour me demander l'adoration. Ah, là c'est grave. Saint homme ou pas saint homme, ces jours-là, on ne va plus s'entendre. Parce que l'adoration est réservée à notre Dieu seul. Amen. À lui seul, toute l'adoration. Vous savez, il s'est passé un discours, bon, qu'on peut dire que ça n'avait pas, ça n'avait rien à voir dans Actes chapitre 15, le verset 16-18, si vous voulez les lire. Mais je voudrais juste vous dire que c'était une discussion avec les apôtres. Ils parlaient un peu, je dirais presque que c'était discuter un petit peu comme de l'organisation et tout ça. C'est comme si nous sommes ici en train de parler de l'organisation et que quelqu'un s'élève et commence à dire quelque chose comme si ça venait de nulle part. L'apôtre, vous savez, Jacques s'élève, va prendre les versets de Amos 9 pour commencer à parler de ça. Mais on dirait que ça n'a pas du sens. Si vous lisez le chapitre, vous lisez la discussion, vous allez dire, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi il apporte ces... Il sort cette histoire qui sort de nulle part. C'est comme s'il passe de coq à l'âne. On ne parle pas de ça. Mais alors que l'apôtre avait raison, il n'y a rien qu'on ne peut résoudre sans l'adoration. Il dit ceci. Il parle dans Actes 15, 16 à 18. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui est tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles son nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. Donc, on dit que dans l'Église primitive, c'était un problème épineux de voir
comment on allait s'organiser avec les païens qui se convertissaient, comment atteindre aussi les païens encore, et puis les parler en langue, comment on parlait de tout ça. Et puis lui, il vient, il parle des passages d'Amos qui dit de relever la tente de David. Ah, c'est pour nous dire la solution. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup de choses. Tout le monde parle. On parle de comment évangéliser. On parle de comment élever les enfants. On parle de toutes sortes de choses. Comment établir l'église. Comment on va avancer. Comment on va organiser telle chose. Et comme les baptêmes du Saint-Esprit. Comment on va arriver. Comment ceci. Pourquoi on n'arrive pas. Pourquoi est-ce que tel et tel n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. On a tellement de choses à dire. La réponse se retrouve dans Amos 9. Amen. Comme l'apôtre l'a dit. Vous savez, les tabernacles de David, c'est une image de l'adoration du peuple de Dieu. Alors, je voudrais vous dire ceci. C'est la réponse à tous nos problèmes. Les solutions que nous cherchons se trouvent dans l'adoration. C'est pour cela que l'apôtre Jacques a dit qu'il est temps de relever. Que dans les derniers temps, la Bible dit que les ruines de la tente de David sera relevée. Vous savez, les tabernacles de David, et comme j'ai dit, c'était quelque chose qui était différent des tabernacles. Dieu, avant, il a demandé qu'on fasse à Moïse de faire le tabernacle. Je vais dire, comme la tente d'assignation s'est appelée avec Moïse, la tente d'assignation, c'était divisé en trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. OK. Alors, maintenant, il y avait ça. Et maintenant, la tente de David, ça s'est passé comment? Le peuple est resté sans l'arche qui représentait la présence de Dieu. Le peuple a commencé à passer par des difficultés terribles. Et David a compris, la solution était dans la présence de Dieu. Et cette présence, il y a le moyen de l'entretenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est plus de 20 ans que l'arche est restée en dehors de Sion. David s'est organisé maintenant pour aller rechercher l'arche, amener l'arche. Et il a construit la tente, l'endroit pour déposer l'arche. Et lorsqu'il est allé, ils sont allés chercher l'arche. L'arche qui représente la présence de Dieu est entrée dans la cité de David à Sion. L'arche est entrée avec des chants, des louanges, avec l'adoration, avec les acclamations, avec les offrandes, avec des ouh, des bilolo. C'était extraordinaire. Et l'arche arrive, David a changé la configuration que Dieu avait donnée à Moïse. Ça devient une seule pièce. Et on met la présence de Dieu au milieu. Et tout autour, la Bible dit qu'il y avait, non seulement, vous lirez quand vous aurez le temps, dans 2 Samuel 6, il y avait des gens qui jouaient des trompettes. L'arche est remontée donc à Jérusalem, dans la cité de David, et à la montagne de Sion, là où David y vivait. On a déposé l'arche sous une grande tente et qu'on a appelé plus tard, donc on a appelé le tabernacle de David. Et autour, il y avait, si vous allez dans 1 Chronique 25 et 1 Chronique 30, vous allez voir ce qu'il y avait autour. Il y avait, tout autour, il y avait des chantres. Il y avait ceux qui dansaient. Des instruments, on louait, il y avait des prophètes qui prophétisaient jour et nuit, ok? Et vous pouvez encore continuer quand vous aurez le temps, 1 Chronique 15, et puis 1 Chronique, vous continuez, vous allez voir. Et la Bible dit qu'il y avait 24 équipes qui venaient jour et nuit pour adorer. Pour louer, pour adorer. 4000 instruments de musique. Waouh! 4000, j'ai dit, instruments de musique.
Beaucoup d'expressions de louanges étaient autour. C'était quelque chose d'extraordinaire. Regardez, le roi lui-même n'a pas pu se retenir. Il a dansé. L'arche est rentrée. Le roi a dansé. Le roi était tellement content. Et vous savez, sa femme s'est moquée de lui. Sa femme est restée stérile, n'a pas produit. Mais le roi, jusqu'à... On n'a pas parlé du roi David avec la naissance du Messie. On appelle le Messie le fils de David. Parce que David a trouvé la réponse, l'adoration. Église, remettons le Christ au centre. Ramenons l'arche de Dieu. Ramenez l'arche à Sion, dans la cité de David. Que le Christ, que l'arche de Dieu, la présence de Dieu soit au centre de votre famille, au centre de votre histoire, au centre de votre maison, au centre des discussions, au centre des problèmes que vous avez. Remettez le Christ au centre et donnez-lui l'adoration qui lui est due. Et vous allez avoir la solution à tout ce qui bloque. Il n'y a pas ça ailleurs. David est resté un roi extraordinaire. Il a dit donner des matériaux extraordinaires pour bâtir le temple. Il a été tellement riche. De là, on peut parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a su ce que le cœur de Dieu veut dire. Le cœur de Dieu. C'est là où nous devons amener l'adoration. Si nous passons notre temps à murmurer face aux problèmes, vous savez, ça dit bien mur, hein? Murmurer. Continuez à murmurer. Tu fais des murs et murer. Et mur et murer. Murmurer. C'est toi-même qui te fais des murs autour. Après, tu nous fatigues. On n'a qu'à renverser le mur. Qui t'avait dit de faire le mur? On t'a dit ramène. Ramène le Christ au centre de cette histoire. Même si c'est un problème épineux, même si c'est un problème commun, tu n'arrives pas à résoudre. Ramène, s'il te plaît, l'arche à Sion. Posons l'arche à Sion. Remettons le Christ au centre de cette histoire. Prenons le temps de le fixer, de l'adorer. Il ne faut pas seulement danser ici. Quand on dit commando, tu fais commando. Quand on dit nzambe munene, tu fais nzambe. Mais il faut le faire aussi quand ça ne va pas là. Tu rentres dans ta cuisine, tu commences à faire munene nzambe là. Tu commences, hein? Seul là. Tu commences. Amen. Les maris commencent, tu dis, papa, nous allons à l'église. Hein? Comment on va résoudre? On ne peut pas résoudre les problèmes avec des discussions, des disputes. Mettons le Christ au centre. Commençons l'adoration. C'est là qu'il y a la solution. Amen. C'est là qu'il y a la solution. Je vais vous donner un témoignage. Peut-être que je l'ai déjà donné, mais je vais recommencer. Vous savez, Ma petite fille, elle s'appelle Lisa. Oh, elle est chute, si vous la voyez comment elle est. Tellement jolie, tellement gentille. J'étais à New York pour un séminaire. Et ma fille me téléphone, me dit, maman, il y a un problème avec Lisa. Est-ce que tu peux rentrer? J'ai dit, vous êtes tous là-bas? Vous n'allez pas prier là-bas, moi, il faut que je finisse cette mission. Non, non, maman, il faut vraiment que tu rentres. Si j'ai dit qu'il faut que tu rentres, c'est que c'est très important. OK, mais je vais venir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive et mon mari vient me chercher. Il commence à m'expliquer ce que Lisa avait. Vous savez, qu'est-ce que Lisa avait? On dit que c'était staphylocoque doré. Staphylocoque doré, là, c'est rentré comment? Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que nous, en Afrique, les enfants jouent. Les enfants vont partout. Et je n'ai jamais entendu
les staphylocoques dorés. Et je n'avais même jamais vu les staphylocoques dorés. Vous savez, je n'avais jamais vu comment même... Je ne savais même pas c'est quoi. Quand on parlait de ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est quelque chose qui nous a vraiment effrayés. J'essaie de, ici de regarder un petit peu parce que j'avais... Oh non. Oh, je ne trouve pas. J'avais pris la photo de... Que vous voyez la photo de Lisa quand sa jambe avait staphylocoque doré. D'ici la fin de la prédication, je vais les trouver et vous montrer. Si vous voyez... Ah oui, voilà. Je peux vous montrer, vous passez la photo, vous allez regarder Lisa quand elle avait la staphylocoque doré. Donc, toute la jambe de l'enfant, là, elle avait à peine un an et demi, même pas deux ans. Toute la jambe était pourrie. Quand tu pousses les pouces ici, tu pousses, il y a du pus qui sort là. Quand tu pousses là, le pouce, il y a le pus qui sort, ça sort. Tout ça ici était pourri. C'est staphylocoque doré. L'enfant jouait seulement, était tombé. Il y avait juste une petite égratignure. Rien du tout. C'était rien. Et sa maman est maniaque, je vous dis. Sa maman est kiné. Donc elle est tellement maniaque. C'est une personne qui, chez elle, tu peux manger par terre. Et directement, elle avait nettoyé son enfant et tout. Et comme nous avons, Dieu merci, nous avons notre docteur. Et donc, Déborah était chez eux. Elle a touché la jambe de l'enfant était très, très chaude. Elle a regardé, après elle a poussé le pouce, il y avait du pus qui sortait au niveau du genou. Elle a dit, Emmanuel, il y a un gros problème. Ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Et à l'hôpital, vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y avait que deux solutions. Lui couper la jambe ou elle mourait. Il n'y a pas 36 solutions. Et il fallait donner la réponse très vite, dans les 48 heures. Ils ont dit, nous, on ne peut pas donner la réponse si maman n'est pas rentrée. On veut que maman rentre. Le docteur a dit, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut donner la réponse. On doit vite lui couper la jambe. Autrement, si ça monte, c'est fini. Elle meurt. Alors, quand on m'explique, j'ai dit, bon... Il n'y a que deux solutions, oui. Couper la jambe, oui. Ou mourir, oui. Deux solutions. J'ai dit, je ne prends aucune. Dans les deux options-là, je ne prends aucune. Rien. Mais c'est pressé. Vaut mieux qu'elle vive sa jambe, avec une jambe que de mourir. J'ai dit, je ne prends rien. Évidemment, tout le monde était, c'est normal. Vraiment, toute la famille était dans un état. J'ai dit, OK, on va faire quoi? J'ai quitté... l'aéroport directement à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. J'ai dit à son papa et à sa maman, j'ai dit, vous rentrez maintenant, allez vous reposer. Vous avez fait votre part. Vous rentrez. Allez chez vous. Maintenant, je vais rester. Je vais rester avec ma petite fille. Vous savez tout ce que j'ai fait. J'ai remis le Christ au centre de cette histoire. J'ai remis le Christ au centre de ces staphylocoques dorés. On lui a donné en plus le nom doré. En quoi il est doré? J'ai remis. Oh, j'ai simplement ramené l'arche. J'ai dit, Seigneur, si c'est peut-être l'arche, parce que l'arche est restée longtemps dehors, maintenant je ramène l'arche. L'enfant était là. J'ai pris la Sainte Seine, après j'ai commencé, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai dansé. J'ai dit, Lisa, on chante parce qu'elle aime bien louer. Elle aime bien chanter. J'ai dit, Lisa, on chante. On a fait ça. J'ai chanté jusqu'au matin. Le matin, je me suis dit, bon, je viens du voyage, je vais rentrer pour aller m'échanger et revenir. Et je savais que ses parents devaient donner la réponse ces jours-là. Bon. Comme ça, je reviendrai pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire. Je suis rentrée, m'échanger. Les pasteurs sont venus me chercher, on est rentrée, je me suis changée, tout. Je me suis lavée, j'arrive maintenant. Pour j'arrive. On arrive, nous deux, à l'hôpital. Il y a des gens de paix des fois aussi, hein. Ça parle ici, mais... J'arrive à l'hôpital, je vais dans la chambre. J'ouvre, je ne vois pas Lisa. Je lui dis, Eric, Lisa est où? Vous voyez direct...
c'est vers les dans les couloirs. On va dans les couloirs pour aller chercher, mais parce qu'on ne le voit pas. On voit Lisa qui court. Lisa ne marchait plus. Elle ne pouvait plus marcher. Je vois Lisa qui court. Tu viens d'où? Mamie, viens. C'est la salle de bain là-bas. Maman était en train de me laver. Pour aller où? Le docteur a dit on rentre. Je suis allée, je vois ma fille. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est toi qui dois nous expliquer. Nous sommes arrivés le matin. On a pris l'enfant parce que le matin, là, il fallait faire des prélèvements. Ils ont fait les prélèvements. On était là, on attendait ce que le docteur va dire et ce que tu reviendras pour nous dire quelle décision on va prendre. On nous appelle, on nous dit, mais l'enfant qui a eu le staphylocoque doré est où? Nous, on a dit, mais c'est l'enfant là. Les prélèvements qu'on a pris où? Ben, on a pris là. Mais non, les prélèvements qu'on a, cette personne n'a jamais eu de staphylocoque doré. Et ça là, c'est quoi? Je vous dis, cicatrice partie, la plaie partie, tout son genou était devenu nickel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Genou est devenu nickel. Donc le médecin dit que non, que ce n'est pas l'enfant là. Oh. Sa maman dit, je ne discute même pas, comme ce n'est pas l'enfant là. Je prends mon enfant, oh, je rentre. Allez chercher l'enfant qui avait le staphylocoque doré. Comme ce n'est pas le mien, moi je rentre. J'ai dit à sa maman, j'ai dit non. Il faut qu'on aille encore voir les médecins. Il faut être sûr que... Et sa maman dit, comment il faut être sûr? Moi, on me dit de rentrer. Tu crois que je reste pas, maman? Je prends mon enfant, je vais au culte. C'était en plus un dimanche matin. Elle a fini de laver son enfant, habiller l'enfant. Moi, je vais quand même voir les docteurs. Avec les papas. Je dis, on va quand même aller voir le docteur. Docteur, c'est quoi? Non, les prélèvements là, on a refait. Refait encore. Parce que dès qu'on a fait la première fois, on m'a donné les résultats. J'ai dit non. Refaites encore. Ils ont refait. Là, c'est un enfant. C'est que nous, on a les prélèvements là. C'est d'un enfant qui n'a jamais eu le staphylocoque doré. Père, fais-le encore. Amen. Ramenez l'arche à Sion. Et entourez l'arche de l'adoration. Danse. Ne fais pas des murs. Danse. Imaginez-vous, j'aurais pu venir et dire, ouais, c'est ça. Moi, je souffre comme ça. Avion sur avion, alors que je ne peux même pas monter dans les avions. Et je vais jusqu'à New York pour prêcher. Et je viens, c'est ça là comme cadeau. Je ne vais même plus à l'église. Et le bishop Adama ne doit même plus me parler de son Dieu. Terminé là. J'allais faire quoi? Mais murer. Et murer l'enfant. Ce que j'ai fait, j'ai ramené l'arche. J'ai dansé. Congolaise, hein? Ah, tika. Zambé mon aîné. J'ai dansé la grandeur de mon Dieu. J'ai loué la grandeur de mon Dieu. J'ai ramené l'arche. Église, redevenez christocentrique. C'est là la solution. C'est là la solution. Entourez le Christ de votre adoration, de votre admiration. Il n'y en a pas d'autre. Sortez. Vous savez, quand vous commencez comme ça, quand Jésus a chassé, directement, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus pour les servir. Quand vous faites ça, il y a des anges qui viennent. Parce que les anges ne viendront jamais là où il n'y a pas d'adoration. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent pourquoi Lucifer a été chassé. Et les un tiers des anges ont été chassés avec Lucifer. Parce qu'ils ont osé vouloir récupérer l'adoration. C'est pour cela que vous n'aurez jamais un ange si vous ne dressez pas l'adoration. Par contre, quand vous commencez l'adoration, les anges débarquent. Et les anges ont des fonctions. Vous aurez l'ange qui était dans l'eau de Bethesda, là, et dans la piscine. Et la piscine. Vous allez la voir là-bas, lui qui secouait l'eau là. Il va venir, il va secouer l'eau. Le staphylocoque doré va disparaître. Alléluia! Vous aurez l'ange qui était assis sur le tombeau de la pierre où il y avait le tombeau de Jésus, qui a dit, il n'est plus là, ils ont dit, il n'est plus là, il est ressuscité. Vous l'aurez, même votre mort va ressusciter.
vous aurez toutes sortes de catégories des anges. À partir du moment où vous commencez à adorer, ils viendront exercer leur ministère. À partir du moment où le Christ prend place au milieu et que vous commencez à adorer. Oh, les églises d'aujourd'hui ne savent plus comment entrer dans l'adoration. On croit que l'adoration, c'est chanter lentement. C'est pas ça. On dit, maintenant on commence l'adoration. Mais c'est pas ça l'adoration. L'adoration. Adoration, c'est tout. Adoration, c'est l'admiration. Adoration, c'est mettre tout mon espoir en lui. Adoration, c'est admirer ce qu'il est capable de faire et qu'il n'a pas encore fini de faire. Adoration, c'est s'attendre au Dieu du buisson ardent. Adoration, c'est qu'il sait que je m'attends à lui. Ah! Alléluia. Alléluia. Bon, je crois que le temps qui m'était... On commence à... Vous savez, Lisa, c'est une fille aujourd'hui, merveilleuse, une petite fille. Elle a maintenant 3 ans et demi. Elle est merveilleuse. Elle saute, elle court tout le temps. Quand je regarde ses jambes, quand je regarde comment elle est belle, je dis, hey, on allait couper ça là. Ou bien elle ne serait plus là. Hey! Alors que la solution est là. Il y a beaucoup de choses que vous perdez alors que la solution est simple. La solution est là. Alléluia. Bon, vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Dieu nous donna la grâce, offrira carrément notre séminaire avec rien que l'adoration. On va rentrer dans les détails de l'adoration et en pratique. Amen. On fera ça. On parlera de ça. On va pratiquer. On parlera. On va pratiquer. Oh, je vais vous amener une spécialiste. Elle s'appelle Myriam Verhulgen. Maître Verhulgen vous enseigne sur l'adoration. Même si tu n'avais pas envie d'adorer, tu vas adorer. Elle est passée par des situations tellement dures. Cet enfant, c'était que ça. Adorer. Adorer. Quand elle commence à adorer, ah, waouh. Même si tu n'aimes pas Dieu, tu vas adorer Dieu. Amen. Alors, il est temps de rebâtir la tente de David, de ramener l'arche à Sion, de mettre toute la configuration autour pour que l'adoration puisse monter. Amen. Il est temps de ramener toute notre intimité autour de notre papa et l'adorer, notre papa céleste. Oh, car le royaume de Dieu ne peut pas avancer sans l'adoration. Vous ne pouvez pas avoir l'expansion sans l'adoration. Il ne peut pas avoir l'adoration sans que le Christ soit au centre. Que l'Église devienne christocentrique comme ça l'a toujours été dans la pensée de Dieu. J'étais venu pour vous parler de la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, je vous sors la pensée de Dieu. C'est que les Luxembourg, tous les Luxembourgeois arrivent à l'adoration. Voilà la pensée de Dieu pour votre nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alors, voilà, si vous voulez un tout petit peu de suite, elle sera là à 14h30. Pour le culte en Lingala. Hein? Donc, si vous voulez rester, restez. Parce qu'il n'y a que du bon. Alléluia. Donc, la petite là, dont on voulait couper le pied, hein? J'ai vu sa dernière petite sœur, hein? Qui est venue aussi au monde avec une histoire. Hein? Elle nous a raconté ça vendredi. L'enfant est venu avec toute une histoire. Et non, Dieu fait de grandes choses.